Oh, Isabelle, j'ai tellement aimé là, ma journée avec tellement la capsule qu'on vient de ouais, faire avec c'est bon, elle. Ouais. Ah, c'est trop hot. Les gens vont capoter. Ouais, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, Mika. Mais je sais oh, pas. Oh merde, Eugénie. Oh non, des pelules. À manger mes pilules. Nika! Y en avait-tu beaucoup? Nika! Nika! Viens me voir, bé. Y en avait-tu beaucoup? Ben écoute, j'avais au moins une quinzaine de pilules là-dedans, là. C'est de l'acide folique que je prends. Moi, je n'ai pas avec ça, là. Je vais aller chez le vétérinaire. Ouais, mais là, relax, Isabelle, là. Avant d'aller chez le vétérinaire, je te conseillerais d'aller sur le site Internet qui existe. C'est antipoison pour animaux. Peut-être qu'on pourrait trouver une solution avant d'aller chez le vétérinaire. On va te montrer ça. Gars, Isabelle, c'est ça que je te parlais. Pet Poison Helpline. Oui, mais c'est un site américain. Oui, j'essaie, mais au moins, c'est un numéro 1-800 que tu peux appeler 24 sur 24. Fait qu'eux autres peuvent t'aider, ça peut peut-être t'éliminer des fois des frais de vétérinaire. OK, ben je m'en vais appeler. OK. Puis, Isabelle. Écoute, c'était pas dangereux, finalement. Bon. Mais c'est vraiment génial, ce site Internet-là. Ben oui, je le sais. Puis en plus, je viens juste de voir, tu peux même mettre l'application sur ton iPhone. Ah, pour vrai? Oui. Ben écoute, on devrait toujours avoir ce numéro de téléphone-là en quelque part sur notre frigidaire ou dans l'armoire. Oui. Ben encore une autre fois aujourd'hui, on va informer les gens sur quelque chose qui existait, qu'on connaissait peut-être pas. Ben oui. Une ligne antipoison pour animaux. Ça, c'est chien? Ça, c'est chien. Hey! Yes!